Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui et que vous avez commencé à préparer, à assaisonner la viande, à nettoyer le poulet. C'est poulet nouni. Je ne sais pas si on fait de la dinde ici en Guadeloupe. En tout cas, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer les plats pour recevoir ces mets que vous allez servir à vos parents, à vos amis? Ni on l'a monde qui dit, moi, pas l'année là, sympa, fait tout ça, ça paye comme ça, ça paye comme ça, forcément. C'est cher, tout est cher. Et comment voulez-vous qu'on aille dans cette direction, comme avant? On ne peut pas, on ne peut plus. Il y a même des gens qui refusent de sortir. Et toutefois, nous voyons qu'il y a des gens qui lançaient des soirées Saint-Sylvestre, pas de réserve, hein, 200 euros, soirée Saint-Sylvestre en le monde. Et il complète. Donc, nous avons un petit bitin qui a un peu comprendre dans ça. Mais en tous les cas, ça qui a souffert comme moi-même, pour nous permettre les petits plats dans les grands, on nous tchèbe fort, et nous pas calaguer à rien, et nous qu'à continuer. Nous qu'à continuer. Et l'année là, qui a venu là, qu'à permettre nous de vous, qu'à nous organiser. Nous. La dernière émission de l'année, eh bien, mon invité, mon rayon de soleil aujourd'hui, c'est un homme que vous connaissez, que vous aimez, parce qu'il n'y a pas de langue en poche. Eh bien, dans la dernière émission là, on choisit d'inviter M. Éric Coriolan. Vous allez bien, M. Coriolan? Ça va très bien. Et vous-même? Eh bien, on tient tranquille. La Noël s'est bien passée? Alors, bien passé, calmement. Je n'ai pas fêté Noël, non, mais j'ai passé un moment en famille. Oui. Agréable. Agréable. Agréable, nous dit ça. Mais cette année, cette année est différente des autres. Attends, nous parlons des dindes de poulet, mais c'est cochon. Vous savez qu'à manger cochon, tout le monde va manger cochon. Mm. Mais ces traditions-là, c'est quand même. Ouais. C'est gouin-gouin là. Hein. Eh oui, petit cochon aussi là. Ici en Guadeloupe, non, j'ai passé un moment agréable. Voilà, ne pas festoyer plus que de. Plus que cela. Plus que cela, parce que, comme j'explique aux gens. J'ai du mal depuis 2 ans à vivre normalement. C'est vrai que les gens, il faut que les choses reviennent à la normale, mais on a du mal à revenir à la normale. Et oui, tout parce que je vois énormément de choses autour de moi qui sont tout à fait anormales. Bon, on peut parler des soignants qui sont toujours suspendus, de la politique du gouvernement, beaucoup de choses qui sont en suspens. Et en même temps, je comprends que les gens aient envie de souffler un peu. Donc, Kayo point Jean Yopé et Kayo soufflé petit moins parce qu'un grand quoi qui est période là nous va passer là pas tout près d'être fini. Eh oui, il pas tout près fini, loin d'être terminé même. Mais enfin, vous allez bien, jeune homme? Très bien. Eh bien, nous sommes partis dans cette belle émission avec notre rayon de soleil, Éric Coriolan, qui est le président de c'est tout ça, une association, ce n'est pas un parti. C'est un collectif. Un collectif. Ce n'est pas encore ni parti ni association. Non, non, ni association, ni parti. C'est un collectif, c'est-à-dire c'est un rassemblement d'intellect, des mondes qui réfléchissent et qui réfléchissent dans les pays là, si les problèmes sociétaux que nous nient. C'est essentiellement ça pour l'instant. D'accord. Même si beaucoup de gens souhaitent qu'on transforme en parti, c'est une réflexion qu'on a. Mais qui n'est pas encore concrétisé. Ça n'est qu'un collectif pour l'instant. Alors nous allons saluer tous les membres. Oui, enfin bon, principalement les gens qu'on voit le plus, c'est le secrétaire général, Ruzimana, qui est pratiquement mon binôme. On échange beaucoup sur toutes les publications, sur tout ce qu'on peut sortir Sentinelle. Mais il y a toutes les autres Sentinelles qu'on ne voit pas, qui sont sur notre groupe WhatsApp et qui sont en veille permanente, qui sont des Sentinelles qui surveillent et qui m'envoient des informations, qui nous remontent des choses. Qui serait intéressant ou pas de mettre de porter à la connaissance des Guadeloupéens. Donc on fait ce travail là. C'est vrai que c'est un collectif citoyen. On s'intéresse, on a été très très présent sur tout ce qui est crise sanitaire, sur l'époque Covid, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui concerne la Guadeloupe nous intéresse parce qu'on est axé principalement sur, mais pas que la Guadeloupe, parce que on est attaché à la France jusqu'à aujourd'hui, et par conséquent, la politique française et donc internationale, puisqu'elle est toute bien gâteau chez nous. Et donc, nos cas publiés, on reprend un certain nombre d'informations, des reportages qui sont diffusés, qui peuvent éveiller. Ce qu'on essaye, c'est d'éveiller les consciences, de pousser les gens à réfléchir. Et voilà. Donc, Sentinelle est là pour ça. Et puis, je voulais dire une chose quand même, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que Sentinelle, ou même moins Coriolan, que nous sommes des anti-tout. On n'est pas anti-tout, c'est-à-dire qu'on cherche, on critique beaucoup parce qu'on a du mal à trouver l'intérêt de la Guadeloupe dans beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont décidées, beaucoup de choses qui sont présentées. Donc c'est pour ça que nous sommes assez virulents à un certain nombre d'habitants, mais nous pas anti-tout, nous pourrons un certain nombre d'habitants. Et lorsqu'il y a des choses bien, on le dit. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses de... vous ne dites pas tellement de bien. Alors c'est à quoi que vous êtes un petit peu quand même un petit anti-tout, hein?
Non, pas anti-tout. C'est-à-dire, un petit... Par exemple, je voyais l'autre jour, on n'a pas publié là-dessus, mais j'ai vu qu'ils ont mis un suppresseur à Gualège, quoi. Un suppresseur qui permet à une population dans le nord grande terre d'être approvisionnée en eau. Ben, c'est un truc qu'on a proposé pendant les élections législatives, et c'est ça, c'est une bonne idée. Il y a des choses comme ça qui sont faites, parce que nous, on a dit, plutôt qu'à attendre un milliard pour aller toute la Guadeloupe, pas que Tidio l'ait pété là, on peut ponctuellement et de manière localisée mettre un certain nombre d'usines à eau pour permettre à ces populations-là de souffler un peu. Et j'ai vu que ça a été fait, j'ai vu le reportage. C'est vrai que, bon, on avait prévu de réagir là-dessus, on l'a pas fait, mais par exemple, ça, c'est bien. Au lieu d'attendre que tout le monde souffre pendant des années et des années sous prétexte que ça coûte un milliard, parce qu'il faut refaire toute la tuyauterie un jour, peut-être, qui est faite, mais en attendant, si nous payons soulager d'autres mounas dans des quartiers par des suppresseurs qui coûtent beaucoup moins cher que le milliard, faisons-le. Donc ça, par exemple, c'était bien. Alors, merci à SG pour cette idée. Oui, mais je pense que c'est une idée... bateau. On l'a dit. On l'a dit pendant l'élection. Je pense que d'autres personnes l'ont dit également. Le tout n'est pas de le dire, c'est de le faire. Ça a été fait et ça, on peut l'apprécier. Après, il y a d'autres choses qui... non, ça arrive. C'est très rare parce qu'il y a beaucoup de choses bien. Mais lorsque quelque chose est bien et va dans le sens de l'intérêt de la Guadeloupe, de l'émancipation, parce qu'on a aussi une couche assez émancipative. On n'est pas encore sur des thèmes d'indépendance ou des choses comme ça, mais il faut que le Guadeloupéen comprenne aujourd'hui que dans ce monde-là, tel qu'il est aujourd'hui, il faut qu'elle nous... Il faut que nous déterminer. Déterminer nous sans haine. C'est sans ça. Haine, même si moi, rabalé raide des fois, je suis assez virulent sur mes propos. Je n'ai pas de haine à moi. Sans haine, il faut qu'on trouve une façon. Et il n'y a qu'en le faisant partir de chez nous qu'on peut y arriver. Il faut, pour cela, qu'un certain nombre de Guadeloupéens qui sont à peu près d'accord se retrouvent à un moment pour qu'elle décide qu'à nous qu'à faire. Parce que si on reste dans le concert international tel qu'il est présenté aujourd'hui, et c'est ce qui s'est produit pendant la crise Covid, c'est qu'on a subi à la lettre la politique européenne et mondiale du monde occidental par rapport à cette pandémie-là. Et donc, nous laisser plume au sérieux. Oui, donc, je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Alors, j'ai vu aussi, et c'est, encore une fois, et c'est fin d'année, on peut profiter pour dire, j'ai vu qu'un certain nombre de politiques ont essayé, mais ils sont bloqués, ils sont pris, ils sont tenus par un système. Il faut déverrouiller le système. Il faut déverrouiller le système. En déverrouillant le système, peut-être qu'on arrivera à émettre un certain nombre de choses, de faire passer un certain nombre d'idées et de solutions qui permettent à la population d'avoir confiance dans ses élus. Mais systématiquement, tel qu'on est aujourd'hui dans le système tel qu'il est, on est obligé, par rapport à la France, d'appliquer tout ce que la France applique et qui n'est pas forcément toujours bon pour nous. On s'oppose très fortement à ça. On n'est pas non plus pour une séparation brutale en disant faut voyer tout le temps. Allez, les Guadeloupéens ont une certaine... Vous parlez de ce changement de statut qui nous pendait là ? Oui, non, mais on va me parler de changement de statut. Pour moi, ce n'est pas forcément la solution. Je pense que dans le cadre actuel, il y a, pour attirer la confiance de la population, il y a des choses à faire dans ce cadre-là, en nous faisant respecter. Et malheureusement, encore une fois, je pense que nos élus, même avec de la bonne volonté, sont pris dans le système. Mais je ne vais pas citer leurs noms. Mais il y en a parmi eux qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui nous ont dit... Ils sont liés. Et ça, il faut en sortir. Donc, des fois, il faut certains sacrifier, peut-être. Pour payer, il faut sacrifier. S'il faut lever du bout devant la France, faut payer. Mais on paie aussi, c'est mon appel, paie ça, il va. Il faut nous arrêter paix en moment. Et c'est à dans pays qu'on la Guadeloupe, nous ne peut pas paix en permanence. Nous ne peut pas paix en permanence. Ni mon y mettre confiance à dans. Il y a eu là pour défendre. Il faut qu'on brave paix la guerre, on y là. Et fait ça, il faut, pour que le peuple appuie, suivez-vous en les d'autres bitins. Donc c'est pour ça que des fois, nous très virulents. Moi-même, je suis assez acide avec un certain nombre de politiques, mais ce n'est pas par haine personnelle, c'est parce qu'on dit, mais si les Guadeloupéens qu'on nous, fait un bitin, fait un lélé qu'on aura dit pour la gare, pour nous ouvrir, regardez pour les soignants, il n'y a pas un élu, à part Olivier Servat, qui a fait sa IP, mais il a aussi son périmètre de blocage. Il est député français. C'est ce qui manque.
C'est ce qui manque, c'est qu'on se détermine en tant que Guadeloupéen avant de se déterminer dans le système. Mais et des fois, vu, c'est vrai qu'en s'opposant au système, on peut s'attirer des foudres. C'est vrai. Mais il faut oser les prendre. Mais, pour revenir à Olivier Servan, on a bien vu qu'autour de lui, il y avait quand même des députés de Guyane, etc., qui ont le même ressenti que lui et qui ont approuvé son... Mais en Guyane et en Martinique. Alors, en Guyane encore plus qu'en Martinique, ça n'a pas été tout à fait la même chose qu'ici. Mm-hmm. Parce qu'en Guyane, on a vu Serville qui, dès pendant la crise, s'est franchement opposé à la RS et au gouvernement. Mm-hmm. Qui en tout cas a fait... Même s'il est quelque part dans le système, il est président de la collectivité guyanaise. Donc, quelque part, il y a toujours des éléments de blocage. Parce que tu es dans le système, il faut composer quelque part avec. Mm-hmm. Mais Serville a fait entendre une voix. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il n'y en a pas un. C'est-à-dire, on regarde donc classe politique, on voit combien politique qu'il y a en Guadeloupe. Mm-hmm. Pas ni yen qui, entre guillemets, complotiste. Pas ni yen qui a dit que le vaccin là, qu'a pas bon. Mm-hmm. Pas ni yen qui a dit que d'autres pays ont les façons de gérer le Covid ici. Pas ni yon. C'est-à-dire, bon, est-ce que tout le monde l'a peur? Non. Alors, si tout le monde l'a peur, en cas souhaité pour 2023, puisque c'est la période. Arrêtez paix. Et des fois, excuse-moi, mais des fois, et je le redis, si on parle fort, si on parle de manière virulente, c'est parce que ça nous touche. Et beaucoup de gens nous appellent. Les gens se sentent concernés. Ils ne sont pas forcément... Ils n'ont pas une haine contre leurs élus, puisque c'est eux majoritairement, des fois, qui votent. Bah, même si l'abstention est très forte. Mais ils choisissent ces gens-là, ça. Mais ils ont un vrai regret et un cas souhaité que... En 2023, que les élus mettaient yo en consonance et en harmonie. Ils ne parlaient pas les mêmes langages là. Essayez de comprendre qu'un peuple aura ressenti et fait remonter. Et il n'y a pas la France qui est bloquée. Si le peuple a revers, pas ni pont, quel que soit le pays là, qui a occupé là ou à d'autres situations coloniales ou semi-coloniales ou post-coloniales, qui est janvelé, si le peuple a revers, ou peuple. Pas atteindre vous. C'est et c'est ça, pas qu'arriver à comprendre qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Parce que le peuple reste souverain quand même, dans tout. Le peuple reste souverain, mais dans la démocratie, le peuple souverain confie le pouvoir à un certain nombre de personnes, en l'occurrence en Guadeloupe, avec la décentralisation, quand même, le conseil régional et le conseil départemental ont quand même des latitudes d'intervention relativement étendues. Malheureusement. Est-ce que c'est une question de moyens? Ça n'est pas une question de moyens, c'est une question d'attitude. D'attitude. J'appellerais ça de l'attitude. Ce sont des gens qui, à mon avis, je fais de la politique fiction, peut-être que je me trompe, mais qui ont choisi d'obéir au système tel qu'il est et de ne pas s'opposer pour des raisons X. Je sais, je peux le dire parce que tout le monde sait ça. Le gouvernement français, l'État français, parce que c'est pas forcément le gouvernement depuis Macron, mais bien avant, tous les gouvernements français, surtout dans des pays comme les nôtres, ont eu pour habitude de tenir les politiques par des petites astuces qu'ils connaissent très bien, qui sont des affaires en justice, des petits bitins cailloténiques à traîner, des petites communes mal gérées, où il y aura du moins nos pays ne subventionnent ou pas fait ça. Il faut au moment de dépasser tout cela et comprendre que le pays est plus important que toutes ces affaires-là. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Et ça n'est pas une question de personne. Parce que parmi les élus, aujourd'hui, dans la classe politique telle qu'elle existe, et en dehors du fait qu'ils soient tenus ou pas, il y a des gens bien. Je pense qu'il y a des gens qui savent, mais qui sont tenus. Alors, si on veut continuer, ça c'est pour le maillot. Il y aurait toujours en face de nous et nous toujours tirant les yeux. Si on va continuer, laissez-y qu'un maillot. Mais émanciper les autres, si moins de ça, ils ont que le peuple qui est émancipé des autres. Le peuple a besoin des guides, il a besoin des mounes. Je prends un exemple, Raphaël. Pourquoi, lorsque Olivier Servat montait à l'Assemblée nationale, il dit bon, toi, tu vas la fermer, en pointant du doigt. C'est un élément banal. C'est-à-dire, dans l'Assemblée nationale, on peut empêcher de parler, parce que c'est un peu de temps, il y a des gens qui pendant Servat à parler. Servat dit, toi, tu vas la fermer. Bon, c'est vrai que dans les formes de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'habitude de tendre ça. Maintenant, je sais pas, il a été accueilli à l'aéroport, ça fait buzz sur les réseaux, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que c'était une fierté, une espèce de fierté retrouvée où il a trouvé la fierté guadeloupéenne des. Tiennent tête. Et ça nous pète ça depuis l'année. Mais il ne suffit pas d'être tiennent tête, il suffit pas de parler pour parler. Dans toutes les actions, dans la gestion quotidienne, il s'agit de tenir tête à ce système qui est là, quelque part, qui nous oppresse. Pour les soignants suspendus, surpris que Pomoun, Jodla, on va parler des soignants suspendus, mais il y a l'autre problème. Mais pour les soignants suspendus, Pani, en dehors de Servail qui a essayé de faire ça et puis à l'Assemblée nationale, mais il est pratiquement seul.
collectivité régionale, collectivité départementale, pas en secouaille. Pour mon Bacadi, c'est va à raison. On nous fait bloc. La Guadeloupe qui a fait bloc, avec collectif là, par exemple, qui est en la Rila, qui a porté un évêque depuis un moment. On nous fait un bloc guadeloupéen pour, dit ces messieurs, nous, mais c'est ça nous voulons. Donc, souvent, on se retrouve seul à se confronter à ce système, mais le peuple regarde. Le peuple regarde et a redit si vraiment c'est peuple à autres que ont aimé, c'est politique qu'ils ont fait pour payer à autres, au moment, il faut émanciper les autres de la peur. De la peur. Et c'est ça nous va souhaiter. C'est pas tellement évident. Alors, entendez-vous, tu allais là parler de un petit peu ébrécher changement là que vous proposez nous là. Quelle position à autres, au collectif, on fait à Dangoupan, on laisse ça? Non, et pour nous, alors. Le changement de statut, l'autonomie, qui est devenue une espèce, en tout cas la mode, mais depuis longtemps, pour nous, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Pourquoi? Le peuple guadeloupéen, suffisamment, même si vous voyez qu'il a voté pour les mêmes, qu'il a fait des pires, mais il est suffisamment adulte pour s'aveugler. Et le moment venu, d'accord, en conscience, il est choisi, ça il n'y a choisi. Le problème de ce dont on nous parle aujourd'hui, la fameuse autonomie que propose Macron, qu'Ebana. L'osbar entré à dedans, il y a tout besoin d'évolution institutionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas une vraie évolution institutionnelle. Ça rentre dans le cadre des dispositions européennes qu'ils ont imposées à la France. C'est-à-dire, au-delà, l'Europe a commandé la France, dans le cadre de l'autonomie des régions, de mettre en règle, comme en Allemagne, sur les Länders, c'est-à-dire une forme d'autonomie qu'ils ont commandé les régions ultra-périphériques. C'est-à-dire de décentraliser un peu. Mais ça, sont directives européennes. Et Macron, aujourd'hui, pour y mettre, enfin, le gouvernement français, quasi Macron, mais le gouvernement français, pour y mettre en règle vers l'Europe, besoin de faire l'autonomie passer. Et qu'a essayé en Guadeloupe, parce que bon, faut y un terrain d'expérimentation. Il faut y commencer en côté. Mais tout bidon, c'est toujours côté, il y a besoin de commencer. Les 100 radars, c'est ici, il y a besoin de commencer. Tout bidon, c'est là, il y a besoin de commencer. Mais ça n'a rien à voir avec une autonomie décidée par le peuple, une émancipation que souhaite le peuple. OK? Et au-delà, ça n'a pas en avancé du tout. Ben non. Alors, le monde qui a dit, parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement, qui sont émancipationnistes, qui veulent que la Guadeloupe, et c'est ça souhait à nous aussi, qu'elle nous décide par nous-mêmes de ça, nous va faire un pays à nous, même si nous, en partenariat, avec le gouvernement français, avec l'État français, mais il faut nous, au moment, décider. Donc, toutes les mondes qui pour l'autonomie, qui pour l'évolution institutionnelle, qui pour l'émancipation, on préfère encadrer dans le terme là, ça a pour moi représenté quelque chose de plus réel. Tout le monde qui pour ça, besoin rentrer à Damocha, nous prenne quand même. Mais il faut nous arrêter, ben, nous prenne quand même. Avec petit coyé. Petit coyé, il faut nous arrêter avec petit coyé. Non, ces messieurs viennent ici, ils ont colonisé nous, ils ont envahi la Guadeloupe, ils ont fait des crimes. Ils ont imposé une culture à eux, ils ont imposé une société à eux, et ça crée une autre difficulté ici. Donc, à nous, vrai, nous, qui j'en ai pas fait payer pour réparer avant nous faire partir. C'est ça. Et c'est ça, nous, qu'a souhaité. Et avec tout le monde. Et ça n'est pas en question, il y a qu'à dire aussi. C'est pas en question raciale. Moi, nous, amis métropolitains, ici, qui qu'a souhaité vraiment que la Guadeloupe vienne émanciper. On homme émancipé, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas machin, il qu'a vivre en côté. Il qu'a vrai bien que ce système-là qu'a oppressé. Et il a besoin de liberté. Je prends l'exemple de la période. Nous avons venu, parce que nous avons eu pause là. Je prends l'exemple. Alors, Papa de Ville là, nous avons revenu. Après, tu poses là ça. Et nous avons salué Francis qui là, je pense. Francis, ça va? J'espère qu'il va bien. Eh bien, nous avons venu après pause là.